Yo yo yo. Suis-je fou? M'en foutrais-je totalement de l'avenir des Bleus? Je crois bien. Voilà voilà, les patounes, pour celles qui passent en replay. Il est 15h55, dans 5 minutes commence la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde. Mais comme je m'en fiche pas mal, dont les bleus sont en finale évidemment, comme je m'en fiche pas mal, je vais continuer ce petit jeu qui a été mis à jour visiblement. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça c'est nouveau ça déjà. Rénovation, inspiration, architecture, art, passion, imminiscence. Ah, de la révérence, je voulais justement entretenir avec vous deux. Silence, vous brisez sa concentration. Non, ça ne va pas. Vous l'avez déconcentrée, elle ne vous félicite pas. Pour quelle raison l'avez-vous interrompue? Peut-on parler affaires et discuter de la rénovation des locaux de la révérence? Une bonne fois pour toutes. Sans doute, mais rappelez-vous que ces œuvres ne peuvent être disposées selon votre convenance. Il faudra aussi honorer les termes de chaque commande en lingot d'or. En lingot, enfin tiens. Ne perdez pas le nord en tout cas. Ah, c'est quoi? C'est pour décorer? Éviter de leur donner les prénoms, ça risque de mettre certains stagiaires mal à l'aise. C'est quoi? Les avez-vous comptés? Vous ne pourrez pas dire que le patron n'a pas pensé à vous pour Noël. Ah, c'est pour décorer. C'est bien. Enfin, ça me sert d'avoir du fric. Bureau directoral, allez. Des baudruches gonflées à l'air vicié d'Halloween. Ok. C'est bien, on a plein de... Le petit renne au sang rouge, c'est bien ça. Ah oui. C'est de la musique. Ambiance. Une étrange aura qui palpite doucement. En morse, le signal signifie obscurité, ombre et ténèbres. Tandis que lueur brumale, une aura sémillante de bons sentiments, d'essence de sapin et 50 des traînes sonnantes. Mes plans bureaux des sont tenus par des employés qui maintiennent leur corps spectral en opacité 0% pour donner l'illusion qu'elles volent. C'est trop drôle. Elles sont supposées produire de belles étincelles bariolées quand le Père Noël arrive, mais elles avancent un petit peu. Mais je pense que je vais tout acheter parce que... Au cas où les trucs d'Halloween disparaissent, ça c'est bien ça, les bonhommes de neige. Ambiance Noël. Ah, parce qu'il y a d'autres trucs. Salle de pause. Ballon gracieux. Allez. Ah, tu vois, ça, à mon avis, on peut plus les... Bon allez, je me suis ruiné. Pourquoi il a un point d'interrogation, un point d'exclamation? Ah oui, c'est vraiment Noël quoi. Ah donc maintenant on peut choisir nos armes, putain. Thank you.
C'était quoi celle qui était trop bien là? Il y en avait une qui était bien mieux, toutes les armes légendaires. Bon, va falloir que je rejoue pour voir en quoi ça consiste. Je sais plus la dernière fois que j'ai joué. Oui, très bien, je vais faire attention à votre chemise. Et à vos mocassins. Sacré Claudin quand même. Ce serait bien si on pouvait choisir nos armes. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors. C'est pas possible, pourquoi? J'ai raté votre café du matin, c'est ça, patron? Ah non, je suis le pire stagiaire. Le café n'est pas le problème, Pum Queen. C'est... Ah, les vacances, la plage, je les ai vues. Je peux presque entendre les vagues. Et le silence, le calme. Ah, la paix. Moi aussi, j'aime bien la plage et le sable et les coquilles. Soit. Quelqu'un, c'est certain, veut m'énerver. Et cette personne se moque de moi. Toutes les fiches des salariés, des fléaux sur mon bureau, Queen. On se bouge, hop. D'accord, patron. Mais criez plus comme ça, ça va vous faire du mal. Ouais. Courage, c'est toujours vous le meilleur. Fayotte. C'est quoi ça? Ah oui, c'était... Putain, mais ça a trop changé, c'est quoi tout ça? Arbre aux améliorations. Ouah. Bah enfin, le jeu, il est ce qu'il devrait être. Débuter la partie. Ouah. Putain, pourquoi ils ont pas fait ça dès le début? C'est quoi tout ça? En fait, là, c'est un jeu complet, là. Il va bientôt sortir, d'ailleurs. Là, il est toujours en... C'est vrai que je l'ai acheté dès que l'alpha est ouverte, quoi. Boss, récap rapide des comptes, c'est le rush. On a encore plein de trucs à débloquer. Toujours de quoi faire à propos de Brad qui prend break sur break, puis Monsieur Goudron qui... Oui, Régis, pardon de te couper, mais rappelle-moi, quel jour sommes-nous? Lundi, bien sûr, boss. Lundi, c'est récap rapide comme chaque lundi matin. Et hier? Hier, me souviens pas. Pas grave, les chiffres, boss, les chiffres. Alors ça, par contre, j'avais déjà acheté pas mal de trucs. Ah, boss, grand bravo. Enfin, je vous retrouve. Suffit, Arlette, j'ai ma dose de moquerie pour la journée. On ne se laisse pas abattre par le méchant découragement. C'est du bien joué contre le majeur, boss. Du bien joué. Accrochez-vous à ça. On boira tout le temps qu'il faudra, mais je vous jure que vous allez tout déchirer. J'ai quand même l'impression que ça va finir jamais. On déchire tout. On arrête de faire du boudin momifié. Oui, on déchire. Et qu'est-ce que c'est que ça? Surprise, monsieur le directeur général. Pendant que vous occupiez des fléaux, je me suis chargé de vos rendez-vous en suspens. J'ai le plaisir de vous annoncer que Madame Muriel de la Révérence s'est remise à l'ouvrage. Muriel de... Ah oui, cette Muriel-là, bonsoir. D'après ce que j'ai compris, il s'agit d'une série picturale évolutive. C'est un peu déconcertant au premier coup d'œil. Mais notez le décalage entre la richesse culturelle de l'hôtel et la simplicité de ce post-it à peine gribouillé. C'est fascinant. Et a-t-elle donné des détails, Muriel, sur son œuvre? Ah oui, oui, monsieur le président directeur général. Cette fois, son sujet, c'est la pénibilité au travail. Apparemment, le fait que vous frisiez le burn-out l'inspire. Plus ce sera difficile, plus les œuvres seront épiques et significatives de vos efforts au travail. C'est la série des crises. Allons donc. Ah, vous connaissez Muriel, monsieur le président directeur général. Vous savez ce que c'est avec ces artistes. Putain, il y a tellement de nouveaux trucs. C'est hallucinant. Patron? Eh bien, ce n'est pas dommage de vous revoir. Ravi de m'entretenir avec vous. Tout ci, tout ça, passons les mondanités, voulez-vous? Conformément à la circulaire B66, pas d'ascenseur tant que vous n'avez pas signé un formulaire. Pas cette tête, c'est la même règle pour tout le monde. Allez, on y va. C'est quoi
déjà ça. Je vais essayer où l'on doit. Oh putain, je sais plus. Je sais plus ce qui est important, les âmes ou ça. On va dire les armes. Et je vais quand même mettre un petit. Une petite laine. J'avoue que j'ai pas froid, mais j'ai pas chaud. Préparé à niquer de la mort. Je crois que c'était mieux ça. Putain, mais ça c'est trop bien, on peut choisir maintenant. C'est trop bien ça. Tu sais quoi? Vas-y, on vérifie maintenant ta théorie sur les heures qui se décalent toutes seules. Je suis trop couru pour être raisonnable là. Simple, j'ai 14h45 sur mon, 14h45 sur mon tel. Et maman dit qu'il est 10h12. Moi j'ai 14h45 sur mon téléphone. Non, non, regarde là. Maman vient de passer 10h12 à 14h46. Là, devant tes yeux. Me dis pas que t'as pas vu. C'est ta montre qui est fichue. Et toi aussi tu te fiches de moi. Tu viens de faire bouger les aiguilles. Ah non, mon pote. Ah non, non. Tu vas pas te faire passer pour un fou maintenant. T'étais prêt à y croire il y a 2 minutes. À moins que ce soit 4h34 minutes. C'est n'importe quoi. Alors. Faut juste que je me rappelle comment on joue. C'est un beat'em all, quoi. Ok. J'imagine qu'il y a des combos et tout, mais... J'ai quand même déjà joué à peu près 7 heures. Mais comme ça fait plusieurs mois, je m'en rappelle plus. C'est ça le problème avec les jeux que j'adore, j'y joue beaucoup, après je m'arrête et je sais plus y jouer. Ça je crois c'est un bonus genre. Ah, cette ambiance propice à la sanction et au contrôle. Miam. Tout le monde ici craint de perdre sa place et je comprends. Quelle surprise de constater votre satisfaction. Procédons aux malédictions monsieur, je n'ai pas là le loisir de subir vos sarcasmes. Vous n'avez pas la sensation de refaire encore et toujours la même chose Anton? Ah, bah si, bien sûr. Moi j'aime mon travail, je peux pas imaginer la situation autrement. Ne perdons pas de temps. Ah oui, c'est vrai que... Ah, c'est bien ça. Ah oui, mais la faux. Moi j'ai la double faux. Le temps de recharge de la cape diminue de 15. 100% de génération de mana. Putain, je sais pas, parce que moi j'ai... Ah oui, mais c'est peut-être la double faux aussi, quand même. Vas-y, on va espérer. Mais c'est bien qu'enfin ce soit un jeu complet quoi, stock d'équipement, service mana. Parce que c'est vrai que le seul truc qui était embêtant au début dans ce jeu, c'est qu'il était trop cool et tout, il y a de l'humour, le gameplay est top, mais il était un peu vide, genre il y avait juste à faire des runs et c'est tout. Tu gagnais rien. C'était un rogue-like. Et maintenant c'est devenu un rogue-lite quoi. Et ça fait vraiment la diff. Pas perdu de... Invoque.
Et c'était quoi ma super attaque? Bon, bah, c'est la seule que j'ai. C'est quoi déjà le. Pourquoi il est violet? Ok, soin pur. Je sais pas comment utiliser la super attaque. Ah, c'est bien. Pratique. J'oublie que c'est pas. C'est juste. Enfin, c'est juste des runs. Que c'est pas un jeu. Tanager. Ah, déjà un Tanager? Faire la double faux, hein. On va plus vite, même si c'est pas forcément. Faut que je me rappelle des patterns, mais. Ah ouais, mais il me fait mal, hein, ce bâtard. Je gagne des trucs. Alors. Mais ça, j'ai jamais compris. Hein. Arme alternative. Ah, ok. Ok, c'est ça. Je viens de comprendre maintenant que la cape, c'était les autres armes. Obtenez 100% de régénération de mana. Le temps de recharge. Ça, c'est bien. Quoi? Fantôme inflige plus 5 dégâts. Ah, il y a un malus. Tire un projectile en sursaut. C'est nul. Ah oui, mais est-ce que c'était prévenu peut-être genre par le rouge ou je sais pas quoi. Faut faire attention à tout, hein. Il me faut de l'argent là. Enfin, de la vie. J'ai l'impression que je me suis fait toucher deux fois et que j'ai pas perdu de vie. C'est bizarre. Mais tant mieux. Je sais plus à quoi sert Soulary. C'est très fluide le gameplay, c'est très agréable. Bon, ça me rajoute des PV max, mais ça me rajoute pas de PV.
quoi, ça améliore en fait. À quelle arme voulez-vous revendre? Bonjour boss, ou bonsoir d'ailleurs. Enfin, je sais plus. Disons, salut boss. Comme ça j'oublie. Personne et tous les cadavres sont dans la bonne fosse. On m'a laissé entendre que vous n'étiez pas dans votre assiette. Ça, on peut le dire. Tu crois aux illusions, Marcel? Non, mais elles sont parfois bien faites, c'est vrai. Alors peut-être que cette plage dans l'ascenseur, peut-être que je l'ai rêvé. Ah oui, en fait, je peux vendre ici pour pouvoir acheter là. Ok. C'est bien, une belle attention de la part. Comptez une malédiction. Une charge. Pas trop vendre. Est-ce que si j'achète ça et la charge, je sais plus ce que c'est. Ah merde, j'aurais pu le revendre. Ah merde, c'est con. Alors attends. Je vais le revendre. Ok. Pratique. Brad. Putain, ça va plus vite les runs. Déjà Brad. Putain, par contre, je me rappelle plus de ses patterns. Surtout que là, je suis pas bien. Je sais même plus comment on fait pour reprendre de la vie. Mais c'est pas croyable, Brad, tu pourrais... Non mais sérieux, vous voyez pas que je suis occupé de ouf, là? C'était rapide. Très rapide. Lingot reporté? 9999? Quoi? Quoi? C'est quoi ça? J'ai vraiment 9999 lingots? Bah non. Qu'est-ce que... Ouh, vraiment ce que j'ai acheté, ça servait à rien. J'aimerais bien savoir comment se remettre de la vie. Allez boss, sur une échelle de 0 à 5, vous êtes chaud comment là? Je dirais un petit 2,5 ou un 3 tiède. Passez le thermostat à 10 alors, ça y est, on inaugure votre toute nouvelle salle de muscu flambant neuve. Il faut qu'on fasse le petit tour du proprio. Mais attendez une seconde, c'est ma vieille chambre de torture, votre salle de sport. Dites, vous croyez pas que vous échargerez un peu? On fait du neuf avec le vieux boss. L'objectif de cette nouvelle scène est de profiter des équipements dans lesquels vous avez choisi d'investir. Chaque fois que vous achetez une faux, une arme de cap, ou bien un sort chez Régis, vous avez la possibilité de l'ETC directement ici avec mon assistant, Clodo. Ah, et vous inquiétez pas, cette fois on a bien fait les choses. Claude a donné son consentement pour que vous pour vous servir de sparring partner. Je l'entraîne à résister à tous les coups. N'ayez pas peur d'y aller, Franco. N'oubliez pas d'y garder une attitude 100% corporate, 100% disco. Ah oui, ok. Comme ça, on peut tout essayer. Mal.
c'est drôle. Ok. Ça, force de faire des parties. Ah oui, et ça, bah forcément, ça reprend à zéro maintenant, quoi. Putain. Prenez 20 dégâts, terminez le monde en moins de... Je sais pas ce que... Terminez le monde en moins de... 1 en moins de 1 minute, j'y arriverai pas. Sympa, il y a des défis et tout. Aussi, on va essayer. Ah oui, on choisit au début, ok. Effectivement, la data a été reset à zéro. Bah, je peux trop rien faire, hein. Patrice, désolé. Évidemment. Ah ouais, c'est... Elles sont moins puissantes les fossiles, hein. Plus rapides mais moins puissantes, ça se voit. Ah oui, ok, ça dure un certain temps. Je suis pas sûr de connaître ce biome. Sympa. C'est un peu le biome d'Halloween. Ah, c'est des nouveaux ennemis, ça. Wow. Oh, les fossiles avec ça, là, ça va être compliqué. Wow. Putain, elle veut pas aller vers le haut? Pas fan des doubles fossiles. Peut-être le titre du jeu. Salut Mag. J'en conclue que tu regardes pas non plus. En tout cas pas de deux yeux. Wow. Tombé un peu bas.
scooter. Comment tu vas? Non, je m'en fous comme d'habitude, mais j'ai tiré devant. Bah, c'est ça. Écoute, ça va, merci. Je suis bien reposé, Souken, ça fait du bien. Et toi? Tu travailles pas? Oh! Merde. Je suis pas fan des doubles fois. Putain, c'est seulement maintenant que j'ai... Très fatigué. Les deux dernières nuits, j'ai dormi 4 heures. Bureau du Tanat, bureau corrompu, étage intrigant. J'aimerais bien aller là, mais ça, il m'intrigue quand même. Ah ouais, bah courage, tu travailles ce soir ou demain? Qu'est-ce que... d'étage. Étage hasardeux. Soir, oui, j'ai peur, là, on va se taper que des bourrés. Ah ouais, c'est vrai. Oh, l'enfer. Travaille toute la nuit? Ah ouais. Ce sera soit des bourrés heureux mais chiants quand même, soit des bourrés malheureux et du coup chiants. Pourquoi tout à l'heure ça avait 1999, putain. Surtout là, il y a but pour Argentine. Je suis dépité. Ah merde. Dur. Ah ouais, là on obtient soit ça maintenant, soit ça, mais on perd 10 dégâts. Je sais pas ce que c'est ça. Pourquoi les deux étages? Pourquoi les deux ascenseurs, je veux dire? C'est quoi? Ah, on peut aller directement à Brad. Ah, ok. Ah bah oui, ça me le disait. Ouah, yes, regarde Régis, ça remarche. Je vais pas perdre mon travail. Faire la démo de Forspoken? Non, je pense pas. Apparemment, c'est pas bien. Tu l'as fait toi? Tu m'en parlais l'autre jour. Tu l'as testé toi? C'est quand même mieux la faux normale. Ouais, je l'ai fait pendant entier. Et ça t'a plu?
Après, si elle est bien, je peux tester. En vrai, c'est qu'une démo et c'est gratos. Elle dure longtemps, tu sais ou pas? Et merde. Bah vas-y, bah tuez-moi maintenant, on recommencera du coup. Ok, super. Ah oui, j'ai un truc pour relancer les... Ok, j'ai compris. À quoi ça sert? Tu peux traîner aussi longtemps que tu veux, tant que tu finis pas les objectifs en fait. Ah ouais? Et c'est sympa ou pas? Bah vas-y, bah pourquoi pas, on pourra tester ça. Surtout que je savais pas trop à quel jeu jouer en ce moment. Magnifique, mais des trucs chiants. Genre caméra et tout. Vas-y, bah pourquoi pas, je pourrais tester ça. Surtout si on peut rester longtemps, quoi. Parce que c'est vrai que lancer un live pour 30 minutes, c'est chiant. Il dit que c'était pas le jeu définitif. Oui, bah logique, ouais. C'est un aperçu. Non, mais tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Il est prévu de sortir quand? Oh non, putain! Par contre, Mag, à propos de jeux de PlayStation, j'ai... J'ai été votre cobaye et j'ai regardé la démo de gameplay d'une demi-heure de Hogwarts Legacy. C'est pas pour dire, mais ça va être incroyable le jeu. Genre, si vous n'avez pas regardé, ne regardez pas si vous n'avez pas envie. Mais faites-moi confiance, il va être ouf. Il a l'air trop bien. Genre il a l'air grave complet, il est magnifique, il y a trop de trucs. Tout ce à quoi vous attendez sera le cas. C'est trop trop bien. Tanager, stock d'équipement, étage intrigant. Est-ce qu'on tenterait pas le tanager? Style se battre, c'est R2, mais marteler R2 c'est relou, la caméra relou. Incompris aux infos des combats. Et pas de mourir. Perso, trop d'informations. Les menus à ras... Oh là là. Alors ça, pour les menus, je suis pas sûr. Hein. Comme dans God of War. Maintenant, les nouveaux jeux, ils sont comme ça. Hein. Forspoken, fin janvier. Okay. Ouais, il a l'air fou. T'as vu? T'as regardé la vidéo de gameplay, toi aussi, de 30 minutes, Mag? J'avoue que là, je suis bien hype. Et je suis tellement hype que j'ai envie de me refaire l'Harry Potter pour être bien dans l'ambiance d'ici là. Oh, je veux bien mettre en mode facile. Je suis là pour m'amuser. Ouais, pas en entier. Ouais, t'as pas tout regardé, mais... Oui, il a l'air déjà magnifique.
Et où est-ce que on précise que qu'on est en mode facile? Attendez, j'arrive, je passe toutes les 2 secondes. Mais non, mais tu dis ça, mais déjà, j'y repensais, mais tu te focuses que sur ça, tu parles que de ça, mais le jeu, c'est pas que le balai. Le jeu, il est incroyable avec autre chose que le balai. Et en plus, en plus de ça, Mag, on s'habitue, hein. Je comprends ta difficulté, mais on s'habitue vraiment quand on veut vraiment. Si un jeu est d'une manière ou d'une autre, et que t'as vraiment envie de jouer, t'as pas le choix. Je sais que t'avais galéré dans Spyro, que t'avais pas réussi, mais Spyro, c'est pas Harry Potter. Déjà, je te l'ai dit, c'est obligé, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible que ce soit pas qu'on n'ait pas la possibilité d'inverser. Dans tous les jeux, c'est possible maintenant. Et Spyro, c'était un jeu à l'ancienne. Et au pire des cas, voilà, je viens de dire ce que j'avais à dire. 2-0. Oh putain. Un bon gros 10. Attendez, la suite, Léon propre. Savez-vous ce qu'il fait à des moments assez longs perdus? Imaginez-le jouer au petit chevalier, en cavalant sur son aspirateur. Niveau ridicule, on est plutôt pas mal. Merci, merci, Josiane. C'est ce que je pensais. Je vais regretter d'en apprendre davantage. Oui, c'est sûr, mais il y a pas mal de trucs de vol. Ouais! Vraiment, moi j'arrive pas, ça marche pas dans mon crâne. Je peux t'assurer que. Mais c'est bizarre ce que je te dis parce que c'est. De toute façon, ce sera pas le cas. Mais je peux t'assurer que si jamais c'était le cas, vu comme t'as l'air fan d'Harry Potter, tu te serais un peu forcé. On finit par tout comprendre. Regarde, t'as fini Last of Us 2 qui est un jeu difficile. T'as fini plein d'autres jeux qui sont des jeux difficiles. On finit par s'habituer, hein. C'est du vieux courrier administratif que j'ai reçu de votre part ce matin. Il faut bien que quelqu'un pour l'aide dans cette maison, monsieur Lou Bordas. Faufilante. Enfin, en tout cas, voilà. Oublie ça, t'inquiète pas. C'est une évidence que ce sera possible. Dans tous les RPG et tous les FPS et tout, maintenant, ils te font la possibilité d'inverser tout ça. Je peux pas. Ah bah, j'ai eu peur, je crois que je peux pas sauter. C'est certain que je me forcerai, mais ce sera dur. Bah ouais, bah oui, c'est le problème au début. On finit toujours par s'habituer. Mais le jeu a l'air incroyable. Ouais. Pour le coup, j'avoue, j'ai craqué. J'ai regardé ce matin la vidéo de gameplay là. Il a l'air d'avoir tellement de trucs trop bien pour les fans. Puis même en tant que jeu en monde ouvert, il est trop bien. Taf de saignée. Je sais pas. Des années qu'on attend tel jeu. Bah ouais, pour les fans d'Harry Potter, c'est vraiment le jeu qu'on attend, quoi. Mais même au-delà d'un jeu Harry Potter, je pense qu'il va toucher des gens qui sont pas forcément fans d'Harry Potter.
parce qu'il il a ce petit truc qui attire, quoi, au-delà d'Harry Potter. En vrai, on contrôle pas Harry Potter, c'est vraiment genre 200 ans avant l'histoire d'Harry Potter, enfin je veux dire... À part le skin, voilà. Bon, je sais pas quoi choisir. C'est vraiment plein l'hiver. Bah c'est ça. Après tout ce qui est personnalisation et tout, ça va être trop bien. Mais ça c'est quoi ça? C'est faux là. Ça les attire et ça les... Les 4 premiers épisodes du pire projet. Ah! Sympa! Et du coup, tu sais comment ça se termine. Ça te plaît? C'est drôle, hein? C'est drôle et surtout, c'est super intéressant de voir comment ils font, quoi. Comment il galère. Ah, et au fait, Mag, je t'y fais penser, mais maintenant que t'as fini Blood of War, faut que tu te remettes à la croisée des mondes. J'ai fini l'histoire, mais je tente de finir au max sans les tombes. Peut-être si chaque fois je tente un méga facile. Ouais. Ouais, les tombes. Trop chiant. Bon, on va essayer. Hein. Le Tea Time pour sortir d'un nouvel épisode. Ouais, il y a 2 épisodes par semaine. En gros, dans 2 semaines, c'est fini quoi. Prépare-toi à chialer.
Et tu vois pas du tout de quelle scène je parle? À peu près à la moitié du livre du miroir d'ombre. Dans une semaine, j'aurais fini de faire mumu sur Game of... Sur... Oh mince, God of War. Oui, c'est vrai. Putain, j'ai aucun sort. Merde. Il m'enlève trop de vie. Mais ça, ça... je pense bien à quelque chose, mais je suis pas sûr. Envoie-moi en chuchotement pour que je te dise. Ah ouais, mais non, parce que si tu m'envoies un truc dont je me rappelle pas... Non, non, en fait. Non. Parce que si c'est pas ça et que ça me spoil, non. En fait, non. Me dis pas, me dis rien, tu verras. Ouais, non, vaut mieux pas. Quand je regarderai, ouais, c'est ça, voilà. Bon, de toute façon, tu sais, hein, épisode 4 de la saison 3, prévoit les mouchoirs. C'est la chialade assurée. En fait, je crois que j'avais de quoi me foutre des potions parce que j'ai trois petits trucs tout en haut et je crois que c'est LB pour se guérir. Et le petit truc violet là, je vois pas ce que c'est. Alors, une belle attention de la part, une malédiction. Soin pur de 40 PV. Ouais, là, c'est que 15 là. C'est con. Soin pur de 40 PV. J'ai que 15 en moins, quoi. C'est dommage. Par contre, essayer de battre Brad à tout prix, c'est pas mal si on a l'ascenseur. Comme ça, on peut aller direct au combat pour se rappeler des patterns. Oh, bah voilà, la mémie aigrie mal sapée. Mathieu, le vrai style casual friendly Friday. On est une entreprise trendy maintenant. Le pire, c'est qu'il y croit. Une seule inflexion de doute dans la voix. Quoi, mais... C'est quand même très rapide. J'ai déjà réussi à le battre, hein, je vous rassure. Mais je pense que je vais essayer d'aller... Là, je vais essayer d'apprendre ses patterns. Je vais aller directement à son... Je vais aller directement à son étage. C'est la reine avec plus 3. Bien ça. Quoi la différence? Genre c'est la même chose mais là je perds de la vie. Monsieur le Président, Directeur Général, joyeux Noël.
Je suis tellement enthousiaste. J'ai du mal à me contenir, les guirlandes, le doré. Ah, j'adore les fêtes de fin d'année. Tiens, je remarque que vous avez déjà déballé votre Secret Santa Loubardas. Qu'est-ce que vous avez reçu? Ah, mon Secret Santa. J'ai reçu une super photo d'Antoine Dumollard dans un petit cadre rose avec des chatons en motif. Voilà, voilà. Ça a l'air franchement déçu. Absolument pas, je suis surpris, monsieur le président directeur général. Voilà, surpris. Mais c'est Noël, joyeux Noël. Je vais tester d'aller voir directement Brad. Pour me rappeler de ses patterns. Ni mes cadeaux de Noël? Non, pas du tout. J'en ai aucun. Je ferai ça quand je pourrai. Et toi? C'est ça, en fait, ça me rajoute de la vie. Faut juste que j'y pense. Même en ayant rajouté de la vie, j'attends encore une livraison, mais sinon j'ai fini. Ah, trop bien. Bravo. Vous le fêtez où? Vous fêtez ensemble? L'utilité d'une chose fait de cette chose une valeur d'usage, déterminée par les propriétés. Bon, c'est dur. Mais c'est dire du capital, ça, Queen. C'est le Secret Santa que t'as reçu? Oh oui, patron, c'est un gros livre. Hein. C'est Gérard qui me l'a offert pour Noël. Il m'a laissé un mot dedans, même. C'est trop sympa comme cadeau, j'aime bien les gros livres. Mais je sais pas comment... Je sais pas si j'arriverai à le finir. Je suis encore qu'au début, et je comprends pas tout. La valeur d'une marchandise déterminée par le quantum de travail. Qu'est-ce que c'est qu'un quantum, patron? C'est un montant qu'on... Bref, joyeux Noël, Queen. Excellent stage à propos. C'est les parents du chéri. Et sa sœur avec les enfants. Ah, les fameux. Joyeux Noël, patron. Et tout ce qui s'ensuit, bien évidemment. Tous mes vœux, chère Josiane. Vous avez l'air radieuse, comme toujours. Mais avec une facétie renouvelée. C'est à cause du Secret Santa que Patrice Loubardas m'a fait. Il a eu l'excellente idée de m'offrir un abonnement premium au magazine Closer to DS. Je l'ai dévoré, le numéro double spécial fête de fin d'année. Je me régale. Mais oui, excellente idée, oui, oui. C'est une catastrophe. Vous ne connaissez pas la dernière? La reine d'Angleterre a fait tout un foin pour annuler son trépas. C'est drôle que ça soit en rapport avec l'actualité. Et tout ça pourquoi, à votre avis? Un bête chapeau, patron. Un chapeau. Je traiterai un cocotte. Alors, l'autre apprendo à laisser, c'était... C'était 15 de vie, mais t'en perds 10. Donc en gros, t'en gagnes 5, quoi. J'aurais dû prendre ça. C'est vraiment pour réapprendre ses patterns, parce que... En soi, c'est plus difficile parce que j'ai aucun sort, j'ai rien. OMG, comme vous avez l'air trop à la zob. Bougez pas, je vous prends en selfie. Je vous prends en selfie. Et justement, une bonne idée de mise en scène pour cette photo. Toi, tu bouges pas. Je
Putain, il fait vraiment mal, hein. Eh, c'est dur, hein. Allez, j'essaie de me faire une run normale. Super. Oula, au moins avec vous Arlette, c'est pas bien compliqué. Rien qu'à avoir vos têtes, on sait que le Secret Santa n'est pas bien passé. Ouais, boss, ben, je suis dégoûté. Je pensais recevoir un truc qui me correspondait, un minimum. Quelque chose de dynamique. Qu'est-ce que vous avez vu? Une paire de leggings trop grande avec des pompons? J'aurais préféré, mais non. Pump m'a filé des charentaises. Des charentaises, boss. Je crois que je suis en guimauve, que je passe mes week-ends devant Netflix. N'importe quoi. Donc pas génial sur 20 ce Noël. On va pas baisser les bras. Mon combat contre l'apathie des fêtes de fin d'année n'en devient que plus intense. Je vais niquer. Thank you.
Et vous faites toutes les années comme ça, Mag, chez la famille de ton mec? Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que vous faites toutes les années comme ça? Noël chez ton mec? Ouais, super. Pour me remettre 5... Putain. Allez! Qu'est-ce que vous allez faire? Mais à quoi ça sert le... Ah déjà, ça je savais pas quoi. Je savais pas qu'on pouvait speeder comme ça. Et donc ça c'est quoi? On essaiera en plein combat. Non, des fois je vais chez mon grand-père qui habite près de Poitiers. L'an dernier, ma famille était venue chez les parents de... Okay. Très bien. Peut-être un bouclier. Je sais pas ce que c'est, putain. Ah bah voilà, la momie aigrie mal sapée. Mattel le vrai Silcadol Friday. Une entreprise trendy maintenant. J'ai déjà dit. Ah mais oui, mais c'est le super truc. Non, putain, ok. Bon, au moins je sais qu'on a un super truc et que... Tentative réussie, bah ouais, mais pour s'échapper totalement, c'est ça. Par contre, j'ai déjà battu deux fois des tanagers. Tuer 30 ennemis sans prendre de dégâts. Mais ça c'est quoi? Pas compris. Ah oui, je dois tuer 30 ennemis sans prendre de dégâts et du coup j'ai 50 machins, c'est nul.
cœur de toute l'activité de Death Inc., mesdames et messieurs. Quoi de beau pour Noël? Alors, le 24 au soir, je vais chez mon père avec mon petit frère de 26 ans et on rejoint mon père, ma belle-mère et petit frère et sœur de 11 et 7 ans. Déjà, putain. Et le lendemain, le 25, on va avoir ma mère et ma grand-mère pour faire la suite, quoi. On fait ça depuis que les enfants sont nés, en fait. J'ai pas vraiment besoin de vous expliquer comment nous en sommes là, c'est ça? Cool, ouais. Et la question c'est, toi tu ouvres les cadeaux le 24 ou le 25? Nous, quand on était petits avec mon petit frère, on faisait ça. On faisait ça, on ouvrait le 24. Maintenant, avec les enfants, on ouvre le 25. Oui, le 25, chérie, c'est 24 au soir, ok. Et du coup, comme tu fais avec ton chéri, c'est le 25, quoi. C'est 24. Ouais, ça dépend des années. Ouais, bah ouais, c'est ça, ok. En vrai, ça dépend plus des enfants en bas âge. Bien là, comme ça, là. On aime bien ça. Je te jure, la vidéo de ce matin là, ça m'a tellement hypé. Pour Harry Potter.
Je me dis que c'est bien qu'on ait un jeu comme ça avant Zelda. Ça nous permettra de tenir quelques mois. Zelda, c'est dans trop longtemps. Toi, je me rappelle plus où t'en étais dans Zelda. Est-ce que t'avais continué? Ok, bah sur Switch, Breath of the Wild. Ah oui, c'est vrai aussi. Link's Awakening, tu l'avais fini? Orbe, énergie curative, une charge. C'est bien ça. Ça, c'est bien aussi. Là, on va être bien là contre Brad. Ben c'est tout ce que j'ai là. J'y crois pas. J'ai fait attention à rien. Merde, putain. Pas fini, j'ai qu'attention, mais je suis bloqué. Du coup, j'ai arrêté quand j'ai eu 15 heures. God of War, merde, c'est dommage. Tu recommenceras un jour. Ah putain, je suis trop bête, j'ai pas fait attention. J'étais bien en plus. J'aimerais bien le finir, mais j'ai pas trouvé la solution pour me débloquer. Tu peux chercher sur internet, hein. Sur une vidéo. Parce que j'ai pas
J'ai pas de télé en solus. Pas compris. Mais ce que je me disais, c'est pas un doliprane, mais c'est un deuxyprane. J'ai pas trouvé. Ah, ok, ok. Bah, la soluce écrite existe sur JV. Mais sinon, ouais, en vidéo, tu trouveras forcément. Il est loupé, hein. Super, le bonus qui m'a servi à rien. Et c'est quoi tout ça là? Pourquoi ça me donne autant? Bien ça. Putain, j'ai déjà 1000 lingots. Ça va vite. J'ai plus de salle. Ça fait longtemps que je suis pas allé en salle de pause. En tout cas, dans toutes mes runs de soir, j'ai rien eu. Mais ça arrête pas de me donner des pilules vertes là comme ça, mais je sais pas à quoi ça sert.
Ça, je crois pas que ce soit. Ça, je crois que. Mais ce serait bien qu'il nous explique si c'est Y ou B. J'en avais entendu parler de ce jeu, il est mignon, ça fait penser à Hollow Knight plus Death Door. Exactement. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Et Hollow Knight, je l'ai toujours pas testé. Là, j'hésite à tester Hollow Knight ou Dead Cells. Mais ouais, ce jeu, il est trop bien. On l'avait essayé à sa sortie l'année dernière. On avait bien kiffé. Mais là, en fait, il est en accès anticipé. Du coup, il a été mis à jour depuis. Et c'est vrai que là, il est beaucoup mieux. Enfin, il y a plus de possibilités. Mais il est sympa. Toi, ça te plairait d'y jouer? Ils sont durs les boss quand même. Super dur. Je me suis fait niquer. Après, ce qui est le plus intéressant, c'est les. Je trouve, moi, c'est les runs quoi. Les boss, j'ai jamais aimé de toute façon dans aucun jeu. Là, il y a un petit. Derrière là. Ça ressemble aux notes du début de générique de Rick et Morty. Mais ouais, il faut que je fasse des celles au. Dead Cells ou Hollow Knight. Toi, t'as fait Dead Cells ou Hollow Knight? Ou les deux? Ça change totalement le gameplay, les armes différentes. Chez vous, je fais pas trop de jeux de plateforme, ça a tendance à me tendre beaucoup. J'ai commencé, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a eu un 2 tellement âgé dessus. Ah, je vois pas du tout. C'est quoi comme genre? Mais ça, c'est pas un jeu de plateforme, hein, ce que je fais. Hein. C'est pas du tout un jeu de plateforme. C'est un roguelite, un beat'em all. Juste que c'est en 2D et qu'il y a des plateformes, mais c'est pas un jeu de plateforme. Jeu de plateforme, c'est Mario, tout ça. Ori, ah oui, Ori. Ori, c'est plus un jeu de plateforme, je sais pas comment... Plus un jeu de plateforme, mais c'est pas tout à fait un jeu de plateforme. En fait, Ori, c'est un mix entre, justement... Jeu de plateforme, beat'em all, énigme, exploration, RPG. C'est un savant mix de plein de types de jeux. J'ai eu 4 heures, j'ai pété les plombs. Ah ouais?
Mais tu sais que bah d'ailleurs là il y avait quelques semaines mois où tu passais plus trop. On a reterminé Ori 1 et on a bien recommencé Ori 2. Mais c'est vrai que je sais pas, j'ai arrêté pour X raisons. Je les avais déjà fait. Ça t'énerve très vite. Pas la patience. Après, je peux comprendre, hein, c'est vraiment spécifique. Deathdoor, tu l'avais fait ou tu m'avais juste regardé? Je m'en rappelle plus. On va le prendre juste sur deux. Cult of the Lamb, tu l'avais essayé? Sinon, faut le faire. J'ai fait le 1 même si j'ai pas fini. Non, mais je te parlais de Death Door. Mais Ori, ouais. Non, pas fait. Il a l'air marrant. Cult of the Lamb, il est incroyable. C'est mon jeu de l'année pour moi. Avec Stray. Et c'est mon cinquième jeu préféré, je pense. Enfin, c'est compliqué. Je parle toujours de ce top 10, mais compliqué de préférer un jeu à un autre. Mais je sais qu'il y en a qui sont vraiment au-dessus du lot. Et il fait partie de mon top 10, voire de mon top 5. Mais le problème, c'est que dans un top, t'as des jeux qui se ressemblent pas, donc tu peux pas vraiment les comparer, quoi. Il est marrant, mais en plus de ça, il est super addictif, il est super intéressant, il est beau. Pardon, ça fait plaisir de vous voir. Queen, mais qu'est-ce que... Est-ce que j'ai compilé 453 du document? Document du dossier RANU pour vendredi, patron? Oui, c'est déjà fait. Ah oui. Excusez-moi, j'ai une petite douleur dans le bas du dos. Il me foulait quelque chose en sortant de l'ascenseur. Tu te rappelles pas de ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Si, enfin, non. Pourquoi? J'ai oublié d'arroser le sapin de Noël en plastique. Oh, je suis une vraie tête en l'air. Mais non, calme-toi, 9h sur plus tard. Trop bizarre, Queen.
crois qu'il y avait un truc. C'est que là on vient de battre un semi-boss. Ça qui est chiant. Et non pas un boss quoi. Ah, et au fait, t'as reçu Sonic, Mag ? Demain, ok. C'est ce que je me disais. Tu m'en avais pas parlé. C'était bizarre. Et vu qu'il était aussi pas trop cher sur Amazon et tout. J'ai commencé Pokémon aussi, mais franchement, il m'a saoulé. Ah ouais! Putain, c'est dur. Hein. T'achètes le truc, tu commences et tout, et ça se saoule. Ouais, c'est dur. 25 euros limite, je dis. Bah, c'est ça. 25 euros, mais je vais attendre qu'il baisse encore. Ouais, Pokémon, ça. C'est, j'ai l'impression que c'était. Les figues mi-raisins. Non, les chaînes noires. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est, je sais pas si c'est ad vitam aeternam ou juste pour une run, à savoir une run qui peut durer plusieurs étages quoi. Bon, Brad, voyons voir. J'ai pas de vie, super. Ça va être vite expédié, je pense. Il est moche, mal foutu, franchement trop nul, et leur truc de Terra Crystal, c'est nul aussi. Wow. Il y en a qui disent que c'est le meilleur épisode de la saga, il y en a qui disent que c'est le pire. Mais tu veux pas lancer une attaque spéciale, espèce d'enfoiré? Yes, I. Putain, mais comment j'ai fait pour réussir à le battre?
D'accord, plumage Carcellus sont les options couleur Arcellus. Bah c'est ça en fait, puisque c'est un épisode de la saga principale. C'est quand même dingue. Oh. Il y en a beaucoup. Hein. Tu peux rentrer dans aucun bâtiment, maison. Faites ça sans 2D. Ouais, non, mais apparemment, c'est pas ouf. Hein. Moi, c'est vraiment le genre de truc qui m'attire pas, ce genre de jeu. Putain, 8 heures, j'ai battu que 4 tanagers. Bah revends-le vite, hein. S'il te plaît pas, revends-le sur le bon coin. Tu te feras peut-être potentiellement 40 ou 35 balles. Franchement, revends-le vite, hein. Attends pas, traîne pas. Si t'es sûr que tu y rejoueras pas, tu vas vendre dès le début. Au moins ça nous fait gagner des lingots. Les différentes reines. Ça peut être pas mal l'effet poison contre un boss. Putain, c'est vraiment bien. J'ai même pas besoin de les taper jusqu'au bout. C'est intriguant. C'est intriguant tout ça.
sert à rien les piques. C'est vrai que j'avais oublié qu'on pouvait faire ça pour aller plus haut. Ah, sa gueule. Ah oui, ils ont bien remonté. Hein. C'est quand même dingue. Moi, ça me fascine qu'il y ait autant de d'intérêt pour ça. Est-ce qu'en leur donnant un coup, ils meurent ou pas? Non, il faut quand même l'aider à mourir. Enfin, à mourir. Ils sont déjà morts. Ouais, je comprends pas. C'est assez fou. Je... Alors... Faisait la gueule, maintenant il fait le gui. Brr brr. Putain, c'était drôle. Hein. C'était drôle. Il fait pas son attaque, putain, je comprends pas. Je vais le taper là. Essayer d'éviter de mourir. Mais non! Mais j'y étais, mais non, bon alors là c'est trop chiant. C'est trop chiant, franchement. Il reste combien de temps de jeu là? Un paillasse de Greg, moi je suis sûr que mes parents le connaissent pas. En parlant de Greg, non? Ah ouais? Bah je pense que il y a quand même des irréductibles gaulois qui le connaissent pas. Moi, ma mère, elle connaît forcément. Elle adore en plus. C'est vachement drôle. À un moment, elle s'était regardé tous ses pièges.
Pourquoi? Parce que c'est ton pote. Ouais, c'est ça. Je l'ai regardé parce que j'en ai parlé, mais... Mais ça lui a plu au-delà du fait que ce soit mon pote. Et ça fait plaisir de savoir que ça plaît vraiment à plusieurs générations. Bizarre qu'elle le connaisse pas, quoi. Qui, quoi? Ta mère? Non, ma mère? Je comprends pas. Service 8 âmes. Il y a quelqu'un qui est pas content ou très content dans mon immeuble. Je l'entends parler très fort. Oh non, eh oh! Les miens ne regardent pas YouTube. Ça a été bizarre pour ta mère. Ah oui, oui, oui. Mais ma mère ne regarde pas YouTube non plus. C'est ça qui est drôle. Putain, ça fait deux fois, toi. T'as pas donné penalty. YouTube pas été à part les films sur Canal. Bah c'est ça, ma mère pareil. Elle regarde que Netflix. Que Netflix, elle a pas la télé. Elle avait pas été jusqu'à il y a peu. J'ai revendu la mienne. Elle avait pas la télé pendant 25 ans, je crois. Et j'ai revendu la mienne. Elle la regardera pas, mais elle a accès à la télé du coup maintenant. Mais voilà quoi. Canal, il y a des trucs bien. J'ai regardé la deuxième saison de The White Lotus. T'avais regardé la saison 1 ou pas? J'avais beaucoup aimé la saison 1. La saison 2 est limite encore mieux. Mais ça, j'ai toujours ça quand il faut pas. Ah, si, enfin. Je sais pas ce que c'est, mais. Si ta Canal, The White Lotus, c'est vachement bien. J'aimerais bien que dans ce jeu-là, il n'y ait pas de boss, putain. Genre, ce soit juste des étages avec peut-être des ennemis un peu plus durs, mais... Et des combats avec... Des salles avec des combats, mais...
Les boss, ça gâche tout, ça te nique en deux secondes tout ton entrain, tu recommences tout. Après, c'est le principe, mais bon. Bah c'est ça. Un peu des salles comme ça, moi j'en veux bien. Tu vois, c'est quand même... Enfin, faut faire attention. Mais les boss, ça nique tout en fait. Et c'est pas aussi important que dans Hades. Hades, on jouait à Hades ces derniers jours là. Je jouais. Et vraiment j'adore, mais les boss ils sont logiques dans... Ils sont plus logiques en fait. Dans un tout, dans la run. Ils sont mieux amenés. Tandis que là c'est vraiment un boss pour avoir un boss quoi. Ça casse tout, ça vraiment c'est... Je sais pas. Puis les runs sont beaucoup moins longues, du coup c'est plus frustrant quoi. Soin pur, arc, j'ai ce qu'il faut. Ah, quoique. Attends. Tu vois, je suis à Brad. Je vais me faire brader la gueule quoi. Faux et usage de faux. En vrai, à force de jouer, ça te... C'est assez fou. Ça t'améliore vraiment beaucoup, quoi. Vous m'aviez demandé de vous le notifier, patron. Alors voilà, Brad n'a pas l'air d'écart. N'a pas fait d'écart. Il reste à son poste et ne fait pas appel à mes services. Il ne fait appel à mes services que pour aller en pause. Vraiment? Cependant, ce n'est pas le cas de vos autres collaborateurs. Messieurs Goudron, Bull et Major Pliskan ont fait beaucoup trop d'aller-retour jusqu'au poste de sécurité. Leur conversation n'avait rien de professionnel. Forcer la main et facile à convaincre revenait quasiment systématiquement. Des harceleurs en devenir.
gueule un peu là. Prolongation. Ok, il est toujours de deux. Il y a des runs où je suis hyper bien stuffé, genre là, ma run elle est parfaite, j'ai toute ma vie, j'ai trois capsules de revie, j'ai des super pouvoirs, je suis bien. Et du coup je suis encore plus stressé quoi. Elle me dit si je perds je suis vraiment nul. A priori je suis vraiment nul quoi. Les jeux angoissants comme ça, moi, c'est trop dur pour moi. Je m'énerve. C'est pas vraiment angoissant, c'est juste que... Là, avec tout ce que j'ai, je suis censé bien y arriver, tu vois.
merde, toute ma vie, j'arrête pas d'avoir des trucs supérieurs. Je perds rien. Putain. J'arrive au magasin. Ça me servir, mais disons que ça me servira. Soin pur de 15 PV, mais le problème c'est que j'ai déjà des PV. Mais attends, ça coûte combien? Ça coûte 10. Je vais voir si je l'achète, ça m'en rajoute, mais je suis vraiment pas sûr. Ça sert à rien. Pas Brad évidemment, du coup je connais pas. Je dois te laisser pour aller bosser dans pas longtemps. Merde, t'es sympa le petit jeu. Jamais vu, même si j'ai entendu parler. Bah c'est bien que t'aies découvert. Je suis content d'avoir pu t'accompagner durant cette épreuve. Bon courage pour le taf et à très vite. Et j'essaierai Hollow Knight ou Dead Cells prochainement. Si tu veux passer. Comme courage. Ah non, bah évidemment. Calmez-vous, arrêtez de taper, vous avez explosé mon oreillette. Allez, qu'est-ce qui pourrait me calmer selon toi? Qui était au bout du fil? Non, mais c'est pas si important, moi je suis une gargouille à la cool. Je veux pas que tout le monde soit cool. Même quand tu es sérieux, tu demeures insupportable. Bah voilà. Enfin, on en bas. Comme ça, toi, merci. Hein. À bientôt, la magance. Pas mal ça. Je suis content d'avoir enfin réussi à en battre un au moins ce soir là. Je m'étais dit c'était ma dernière run, du coup je continue un peu. C'est bien. Ah, c'est là les salles de pause. Tiens, un emballage de Secret Santa. Je suis très surpris de vous y voir participer. C'est très certainement une erreur. Il y a méprise. Arlette a dû vouloir offrir cette chose à quelqu'un d'autre. Comment appelons-nous cela? Un hand spinner? C'est un ridicule. Pourquoi pas un frisbee? Étrange. D'après le bruit de couloir, ce genre d'accessoire puéril devrait vous plaire. Vous avez déjà vu manipuler un yo-yo, mon cher? Voilà, bien sûr, une rumeur infondée. Ça ne s'arrange pas à votre dépression. Hein. Elle vous fait imaginer de grotesques calomnies. En attendant, merci bien. Mais j'ai autre chose à faire que vous souhaiter les meilleurs vœux. Je t'aurais demandé, moi. En fait, c'est là, la salle de pause. Putain. Putain, Anima. C'est bien, ça. Et là, ah putain, si j'avais pas acheté l'autre merde là. Ah, c'est bien ça. Tout le mec compte une belle surprise. Allez, vas-y, on tente, on est joueur. Quoi? Bah wesh. Distributeur qui marche pas. Les boules. C'est la guerre qu'ils cherchent, les guignols des mathématiques. Dis donc Gérard, les fêtes de fin d'année sont faites pour partager de bons moments. Où l'esprit de Noël quand vous ronchonnez comme ça? Allez dire ça à Régis, son secret Santa diabolique, boss. Franchement, c'est un scandale. Eh bien, vous avez reçu un très beau t-shirt à ce que je vois, et après? Avec marqué dessus éternellement deuxième, et nul, au rallye café? C'est une provoque, c'est honteux. C'est une honte.
Je vous le dis, boss, il va le sentir passer l'esprit de Noël. Je vais lui faire bouffer ses datas. Ok, super, j'ai payé une anima que j'ai réutilisée pour avoir une surprise. Mais la surprise, elle a capoté. On adore. Appartement agroalimentaire nocif. Pollution industrielle. Ah putain, je l'avais déjà fait celui-là, c'est con. Faudrait que je regarde quelqu'un qui a réussi à finir le jeu. Et joyeux Noël, boss, tout ça, et les meilleurs vœux aussi, on est tous super heureux, blablabla. Ah ben, on en a au moins un qui est content de son Secret Santa. Qu'est-ce que vous avez reçu? Une théière imprimée en 3D par Orville, en Liège. En Liège? Oui, pas très grave. Elle va fuir au premier remplissage, mais attention, elle est là. Et Orville m'a mis un mot sympa dedans. Et j'ai encore du mal à saisir l'intérêt d'une théière en Liège, mais si vous êtes content, tout de même, c'est le principal. Une théière en Liège. Ouais, mais j'aime pas ce département. Mais c'est vrai qu'il y avait une... Il y avait une run, je me rappelle, la dernière fois que j'avais joué, j'avais bien avancé, genre j'étais limite allé au deuxième boss. Mais c'est bien là, ça me fait un peu avancer dans le jeu, je suis content. Pire demain. Je sais pas ce qui s'est passé. Bizarre leurs ennemis. J'aurais dû prendre l'autre département, c'est chier. Je savais pas. Dépôt d'anima. J'ai besoin d'anima là. Parfois il veut pas sauter, c'est très bizarre. Est-ce qu'il y aurait pas un truc ici? Non? Un peu je sais plus comment on appelle ça, mais les houes de l'homme. J'ai ça, je l'utilise pas. Comment on dit Ouglom en français? Les looms. Loreman. C'est ça qu'on dirait, les looms. Mal, sauf que je crois que j'étais déjà à fond. Les potes Solari, service vital. J'ai beaucoup de... Putain, je sais pas. Solari, comme ça je pourrais acheter des trucs au prochain.
Teenager Zozo, Service Mana, putain, je sais pas. J'ai pas envie de battre un teenager, là, c'est bon. Quand ils gueulent comme ça avec leurs yeux, on dirait vraiment des looms. Des looms, mais dans Rayman Legend. Dans les derniers. À remettre mon mana, mais le problème c'est que le mana il se recharge tout seul. La mana. Le mana, je sais pas. RH du Molar. Ça à quoi ça déjà? Plutôt bon hein, dodo là ce soir. Sur cette dernière run. T'es pas mort. Vraiment pas mal cette épée de Cloud là. Fait longtemps qu'on s'est pas vu. Local technique. Ah bah oui, là c'est là où on peut utiliser un... Alors ce secret de Santa, à Norville, content, pas content? Qu'est-ce qu'il y avait dans le cadeau hein? Bah rien chef. C'est parce que le cadeau de tonton n'entrait pas dans la boîte. Donc il m'a donné en main propre, c'était ultra méga lourd. Ah ouf, j'avais peur que t'aies fait une mauvaise farce. Attends une seconde, à quel point ne pouvait-il pas rentrer jusqu'à ce que Jacques encore fabriqué? Oh, bah je sais pas, ça dépasse de 8 à 10 mètres environ. J'ai pas mesuré le pull de Noël moi-même, mais fumé j'ai de tonton dedans quoi. Voilà, ça améliore mes armes. Lâche. Je comprends pas. Je sais plus à quoi ça sert. Déjà en train de faire fouiller le secret Santa, tu n'auras pas traîné. Faut bien, peut-être que je vais trouver de quoi écraser votre deck. Voltron et Infection, mon maître. Non, oublie pas, mon cher. Je sais que tu feras bon usage de ce display de booster. Joyeux Noël, Jacques. Merci d'être à mes côtés. Joyeux Noël à vous aussi, mon maître. Oui, cette carte est un box de vif argent. C'est une mythique d'une rareté. Et ça, c'est fantastique. C'est un sphinx de laiton consacré avec l'illustration promotionnelle. Il faut aller avec ça. Ah, je suis ravi. Je sais plus à quoi ça sert.
Ah oui, on peut améliorer, ok. Alors attends. On va améliorer ça. Mais améliorer ça aussi. Mais aussi améliorer ça. Ou ça. C'est pas mal ça. Voilà. Là on est bien. C'est dommage qu'on n'ait pas 6 trucs de plus. Et bon, là on arrive à Goudron. Il va falloir se concentrer quoi. Potentiellement on va claquer en 2 secondes. Bon, moi je suis fier d'être arrivé. Prenez garde sur vous, patron. Enfin une bonne nouvelle, c'est circonstance avec la période des fêtes. Moi, je vais offrir à tous mes sbires une majoration de 0,0018% sur plus de performance individuelle. C'est comme une injonction. À cruncher encore plus, je saisis le concept. J'étais quasiment. Il lui restait rien. C'est trop dommage. J'étais trop près de lui. Je suis con. Ah, c'est trop con. Putain. Ça aurait été la première fois que. Bon, bah, je vais m'arrêter là. C'est bien, ça me patoche. J'ai plaisir de revenir ici. Bon bah les patounes. Si vous êtes en replay, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, nous rejoindre sur Twitch. Et puis ben bisous à tous et à très vite pour d'autres aventures. Tout.